Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Thé, Pudding et Camembert, notre série multijoueur E4 avec Damned. Salut Damned. Hello. C'est magnifique le titre annoncé comme ça, j'adore. Ah t'as vu, hein, c'est classe. Hein. Ouais, carrément. Très très bonne trouvaille ce titre, très très bonne trouvaille. Oui, on oui, oui, oui. Merci Shobiti, hein. Merci beaucoup parce que celle qui l'a trouvé, il faut rendre un hommage parce que on savait pas et puis le nom est arrivé comme ça, on a dit... Ouais. Ah ouais, on prend. Et du coup, on va essayer d'imposer ça aux Français, le thé, le pudding et le camembert. C'est ça, l'objectif, qu'à la fin de la guerre, ils aient pudding à tous les petits déj. C'est pas un cadeau, hein. Du coup, on s'était quitté sur la cessation du Maine et... ou la cession, ou la cessation. La cessation, ouais. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Cession, je crois. J'ai un doute, mais c'est pas très grave. On attaque. Ils nous le diront en commentaire, hein, on se fera insulter. C'est ça, on se fera insulter en commentaire. On était parti pour essayer de stack wipe la petite armée de la Provence, qui essaie de s'enfuir, bien sûr, mais qu'on va, je pense, choper. On voit pas où est les Français, mais bon, je pense pas qu'ils soient déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prédicateur influent. Plus de prestige ou on l'envoie à Rome. Plus de prestige. Donc le premier objectif, ça va être de remonter notre stabilité dès qu'on peut. Pour l'instant, on l'a un peu dans l'os. Alors... Oh, le petit stack wipe qui va bien. On a réussi le stack wipe, parfait. Ouais, on a charismatique, vitesse de recouvrement du moral terrestre plus 10% pour notre général. Ça fait c'est plaisir. Bien, ça. Alors ici, cette forteresse était désactivée. Il vient de l'activer. Donc je pense qu'on va essayer de lui sauter dessus direct. Là on a 7000 hommes, il faut qu'ils viennent. C'est laquelle, celle du Haut-Poitou qui vient de réactiver? Ouais, elle était en rouge au début de l'épisode, j'en suis quasiment sûr. Ah. Donc normalement elle a pas eu le temps de se... Elle doit pas être... Ah mais est-ce que je peux avancer aussi? Ah peux... ouais, c'est pas sûr. Ouais, faut que je fasse le tour. Faut que je fasse le tour. Non, bon, on va déjà faire tomber la Provence. Ça sera toujours ça de prix. On va peut-être pas laisser 2000 hommes dessus par contre. Est-ce que je peux passer par là? Je peux pas passer. Ouais, on va quand même aller sur la Touraine, commencer à faire un peu de score de guerre. On est en guerre contre l'Orléans? Ouais, on est en guerre contre l'Orléans. Donc l'objectif c'est reprendre le Maine. Ah, il y a des troupes ici, qu'est-ce qu'elles font? Il y a 10 000 hommes français ici qui s'enfuient, ils sont totalement à poil, est-ce que je peux les choper? Non, je ne peux pas les choper. Putain, il y a des forteresses partout. Oh là là là. Ah ouais, ça va être l'enfer. Hein. Je peux essayer de choper ceux-là, ouais. C'est pas mal. Par contre, mon moral est pas fou, hein. Surtout, fais gaffe que le français décide pas de faire demi-tour. Bon, il a pas un moral de fou, hein, mais... Ouais, je vais attendre qu'il soit locké, peut-être. Ouais, c'est bon. Voilà. Comment on faisait déjà consolider les régiments, c'était ça, ouais. Ouais, avec mage, enfoncé, pour pas que ça détruise les régiments. Ça va être une guerre où on va probablement beaucoup faire pause, hein. J'annonce ouais, tout de suite. On est en vitesse 2 et on fait pause, c'est clair. Ouais. Bon, ça va, il s'en va. Alors, attends, l'Angleterre occupe le Maine, il se casse. Ok, très bien, on va descendre là. Bon, notre morale est à chier, mais heureusement en face, ils sont pas que t'as mis 7000 hommes au Cotentin aussi. Exact, ils sont arrivés, parfait. Descendez ouais, là, là. File un coup de main. Donc, visiblement, la forteresse a eu le temps de se refaire, hein. Ah, il y a que 180 hommes en garnison. Donc si on arrive à faire une faille, on pourra foncer. Mais bon, faut déjà réussir à faire une faille, quoi. Si on arrive à prendre ces deux forts-là, on sera bien, je pense. Ça va nous permettre d'avancer. Par contre, pour l'instant, on peut pas se remettre de renfort, donc c'est pour ça que j'amène les 7000 hommes, là. Bon, t'as 4000 hommes qui vont faire le siège de Calais, mais bon, on t'en fout, hein, clairement. Oh, ils sont pas assez nombreux de toute façon. Ils sont pas assez nombreux, oui. Ça y est, on a on a les premières troupes de la Normandie qui arrivent. Ouais, c'est ça, et le premier bateau qui est sorti aussi. Qui va faire dodo au port d'ailleurs. D'ailleurs, oui, j'ai pas dit, mais j'ai rangé mes bateaux de commerce en speed. Oui. Cela dit, on aurait probablement une puissance maritime, mais vu qu'on a aucun endroit où faire de blocus pour l'instant. Oui, c'est pas la peine de prendre de risques. On a 20 000 hommes à Bordeaux. Okay. C'est une guerre qui demande une grosse concentration, donc. Ouais, je pense qu'on va gérer ça petit à petit. Hein. Je peux pas appeler de. Non, je peux appeler personne, on s'en fout, très bien. Crains que non.
Donc là, je pourrais éventuellement choper ces 3000 hommes, mais je sais pas ce qu'il y a par là, et j'ai pas de général disponible, donc on va éviter les conneries. On va se contenter de faire des petits sièges de petites merdes. La France a pris le Bordelais. On prend la Touraine. On avance ici pour voir un peu ce qui se passe. Je permets aux alliés de s'attacher si jamais tu veux suivre. Par contre, ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà. Pour ne pas changer, mes jets de dés sont pourris. Donc du coup, les sièges vont prendre des plombes. Ce serait drôle, ça serait pas drôle sinon. Il y a un siège ici. Ah, il y a des rebelles au Bourbonnais. Bah écoutez, tant mieux, pas s'en plaindre. Bon, j'essaie de garder un peu un œil sur tout. Ça avance un petit peu en Anjou, mais c'est franchement pas dingue. Ils sont en train de se regrouper, hein, on leur laisse du temps, donc ils vont se regrouper. Hein. C'est chiant. Tu peux pas avancer là ? Bah c'est ce que j'étais en train de regarder, je voulais aller les choper justement, non, mais il doit falloir prendre le Chartin là. Et ici on peut pas peut-être passer non plus. Ah ouais, et puis non. Même pas du haut... ah si, en passant par la Touraine, non. Bah même non, pas. Je crois pas, hein, non, non. Hein. Non déplacement non, mais... terrestre interdit par une forteresse aussi. Bah écoute, on va rester là à piller. Hein. C'est vraiment le bordel. On est coincé d'un mort, quoi. C'est Anjou au même, bah après là, sinon, ouais, mort, quoi. Il y a le Chartrain en haut, mais à mon avis, le siège on va pas le faire comme ça. Hein. Bah je pense qu'on est suffisamment nombreux, toi plus moi. Mais parce qu'on est 8000 plus 2000, on est 10000 et tu vois, on arrive à tenir l'Anjou à 9, mais c'est tendu. Hein, ouais, s'il faut qu'on se barre, ouais, on peut essayer. Hein. Ouais, ouais. Il va falloir avoir un œil dessus. Toi, je te laisse surveiller si tu veux en haut, tu mets pause si tu vois des gens tomber. Moi, je gère le bas. Allez, on fait ça. Parce que c'est vrai qu'il y a 18000 hommes à Calais, donc ça peut vite redescendre. Hein. Ouais, puis c'est pareil, il y en a 20000 à Bordeaux là, ils ont déjà fait une faille en plus, c'est con. Le problème il est là quoi, c'est que pour moi ça va, l'armée est séparée, mais si elle se regroupe d'un coup, aïe. Alors attends, j'ai un event. Soirée, alors. À qui allez-vous parler ? Bonsoir madame. Un humble 430 de la famille Lancaster, disposant d'une éducation faible, devient héritier, perd de 10 en prestige. Ou alors un financier apparaît, on perd 5 en prestige. Alors attention, un héritier de la famille Lancaster. Ça pourrait nous aider pour la guerre des Deux-Ros. Si on a un héritier et qu'on a un héritier de la dynastie Lancaster, ça arrête la guerre des deux roses. Alors ça sera un 4-3-0, c'est pas fou, mais si on peut éviter la guerre des deux roses, je pense que ça le vaut. Hein. On prend. Ouais, c'est clair. Et il s'appellera Edward, donc très bien. Pourquoi pas. Et normalement, du coup, ça devrait s'arrêter. Alors est-ce que ça va descendre ? Ça reste à 60%, ça n'avance plus, mais ça ne descend pas. Bon. Donc bon. C'est toujours ça de prix, mais c'est pas fou encore. Hein. Je pense qu'on va arrêter l'intérêt... On va arrêter l'intérêt diplomatique, parce qu'on a déjà 200 points diplo, et là, clairement, il nous faut du point admin. Hein. C'est pareil, j'avais jamais vu, alors je sais pas où c'est nouveau, ou alors ça fait un moment, hein, mais quand tu cliques sur la fenêtre de guerre en cours, là, ça t'affiche au niveau des blocus, tu sais combien tu pilles et combien tu te fais piller, et du coup tu sais les revenus que tu es en train de gagner ou pas. Je sais pas trop comment ça marche, hein, mais où ça quand tu vas dans la fenêtre de guerre, ouais, je le suis dedans, et t'as des moins, des plus au niveau de l'argent. Alors moi, je l'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu ce truc là. Ah, ça me dirait, hein. Bah, ça fait peut-être un moment qu'il y est. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au U4, beaucoup plus que toi. En fait, cette colonne me dit quelque chose, mais je me souviens plus si c'était ça dedans. Ouais. Bah voilà, c'est ça. La colonne me parle, mais je sais pas s'il y avait ça dedans. Mais, tu vois, j'essaie de me caler sur toi, mais en gros, toi tu pilles 3,63 et tu te fais piller 4,46. J'imagine que... Ouais. Ça peut être... d'accord. Bon, bref, c'est pas très important. Hein. J'en profite, là, je peux faire une revendication sur machin. Bon, on va pas la faire tout de suite, mais c'est pas grave. Le mec, il revient comme ça. Et on aura un diplomate dispo en cas de besoin. Donc on a dit qu'on se concentre ici. Conquête contre Tyrone, très très bien. Il y a du mouvement là, des petites troupes à 1. Ouais, c'est chiant, on peut pas les intercepter quoi. C'est très très chiant. On n'a pas réussi à faire de faille. Si on avait pu faire une faille dans ce mur, il est toujours à 200 le fort là. Ouais, les troupes descendent petit à petit, on les défoncerait si on pouvait faire un assaut, mais... Voilà, comment ça descend là, t'as un fil, t'as envie tellement de... Allez, allez les intercepter là, 1000 hommes, stack wipe, mais on peut pas.
Non, on peut pas. On peut que les regarder, quoi. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Allez, faut que ça avance, là. Qu'un statu quo, putain. Ah bah ça... Épidémie, bah c'est moi qui prends, tiens. En bas, il est à moins 21%. En haut, il est à moins 28%. Putain, c'est ouf, on va encore perdre au siège, quoi. Oh, ça, ça n'a pas changé, hein. Ça n'a pas changé, ouais, c'est clair. La dernière fois, je suis tombé sur une un trailer pour un jeu dont le nom m'échappe, qui est censé sortir en genre en 2021. Un jeu qui est basé sur le fait que tu joues uniquement avec un dé. Ah putain, c'est pour toi ça. Ouais, j'ai vu le truc, j'ai dit mais what. Et en fait, t'as carrément un dé qui t'accompagne et il fait des actions avec toi, c'est ton arme et tout, mais enfin tout le destin du monde est dirigé par un dé comme ils disent quoi. J'ai vu le machin, j'ai dit voilà, oh là là là. Je suis en train de voir qu'on perd de la thune, on va prendre des impôts de guerre. Il faudra que tu le fasses. Ah, on est à 100, on est à 100 de puissance admin. Ouais, ce jeu, je pense que je le testerai peut-être 2 minutes et puis après j'arrêterai. Bon bah ça fait chier, mais on va prendre un point de stab, hein, parce que on peut pas trop se permettre non plus d'être dans la merde. On a perdu des troupes en Anjou, du coup le siège n'avance plus. C'est chiant. Du coup on va prendre un péon ici. Hop. Donc on ne peut plus maintenant prendre de mercenaires, hein. C'est des compagnies de mercenaires, j'ai vu. Ouais. Allez, si on pouvait faire une faille, putain, statu quo, mais sans déconner. L'autre il est à moins 14 en bas, quoi. Tellement classique. Ah bah en bas ça va finir par remonter, hein, ça c'est sûr. La France a 27 000 hommes. 7000 de réserve militaire, on est à 4800 de réserve militaire. Ah bah de toute façon la France en soi ça passerait, mais c'est elle a beaucoup de vassaux et petit à petit ça fait du nombre. Allez, ouais ils commencent à devenir un peu plus agressifs là. Ils viennent sur les territoires qu'on a pris. Alors attends. Vas-y. Je voulais regarder combien de troupes on a, 26 000. Ah on sait même pas ce qu'ils ont en face en fait. C'est carrément des points d'interrogation quoi. Ah en mode multijoueur cette information est cachée. Ah je me souvenais pas de ça. Ok, bon bah... Bon ils vont être potentiellement attaquables. Parce qu'ils commencent à venir titiller un peu là. Alors ça voudrait dire abandonner le siège de Chartrain. L'autre côté c'est bien grave. Est-ce qu'on peut prendre un commandant, faut être sur un de nos territoires, mais on pourrait peut-être prendre un commandant, ça serait pas inintéressant je pense. Ouah, y a du peuple qui arrive là. Ouh là 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 là. Ouais. Y a beaucoup de monde là. Ouais. On va replier Chartrain sur le Maine là. Ouais. Je fais 1000 hommes de plus qui arrivent. T'as un commandant pas énorme, ou pas mais... Moi non. Je peux essayer d'en prendre un. Hein. Putain ouais, y a beaucoup trop de monde là, va falloir qu'on se replie. Hein. Oh, on a même pas réussi à prendre un siège quoi. Oh, on a même pas réussi à passer en positif sur un siège quoi. C'est la déprime absolue. Bon, c'est pas grave. T'intéresses, tu veux que j'en prenne un de commandant? Si dire, tu hein. peux, ouais. Ça fera... Je sais pas ce qu'il va valoir, hein, je te le dis honnêtement, mais... Donc du coup... Ouais, ils sont en train de rapporter beaucoup de monde. Ah, ah ouais, 5 en choc. Pas mal. Va falloir qu'on abandonne le Haut-Poitou. Faut qu'on fasse tomber l'Anjou, ça va être notre priorité, et qu'on tienne cette attaque-là. Bon bah... Mais ça j'ai va un 2 étoiles, c'est pas mal. Ah, oh, c'est pas mal, un 2 étoiles, pour commencer. Bah 5 de choc, c'est pas mal, ouais. Donc on a deux armées, 15 000, 12 000. Tu peux lui mettre le général si t'es sur une terre alliée ou faut qu'on aille en Bessin? Alors, je lui ai mis parce que j'ai fait, mais ah là, oui, officiellement, mais il... je suis attaché à toi. Ouais, il apparaît pas. Ouais. Bah, est-ce que c'est considéré comme sans commandant? Ah, oh, c'est la merde, ça. Ah, faut que ce soit moi qui m'attache, peut-être. Ah, vas-y, active l'attachement. Vas-y. Et là, je m'attache. Ok. Ok, bah du coup, tu me diriges. Bah, c'est encore mieux, limite, comme ça. Ça dit, je pense qu'il va falloir qu'on se regroupe, là. Hein. Oui. Tu peux peut-être choper les mecs qui sont loqués là. Et je vais commencer à me déplacer vers le Maine pour venir en soutien. Je pense qu'il va. Ah putain, il va remonter à mon avis. Hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu vois, ça commence à arriver par contre. Ouais, je te rejoins.
Bon, 1000 hommes. Il y en a 17 000 qui arrivent, j'arrive avec mes 16 000. Ouais, et puis les métros ont un tout petit peu de retard, forcément. Il en ramène 3000 en plus. Ah, il a décidé de changer de direction, ça c'est cool. Bon bah à la limite ça nous laisse la victoire, moi je prends. Voilà. Ok, donc du coup il descend après. 9 qui sont loqués en bas, 13 000 qui descendent en bas. Je vais essayer de le choper à Touraine à la rigueur. En plus j'ai pas perdu trop de morale sur cette bataille. Ah, il se replie. Pourquoi pas. On va essayer de choper quelques-uns. Il a redescendu des troupes de Calais, hein, donc... Ah, il est en train de se pointer avec deux troupes, on va pouvoir choper un mec là, je sais pas qui c'est mais on va le buter. Oh, remarque, j'allais venir, ça sert à rien. Ouais, il est en train de se pointer vers le Bessin. Ah là, il y a 12 000 hommes qui remontent vers la gauche. Probablement pour attaquer l'Anjou. Si je descends ici... 8, 10, il serait 20 000. Entre Angleterre et Armagnac, eux sont loqués. Ils arriveront le 15 février, on est le combien? On est le 11, ouais. Après ils pourraient faire demi-tour avant que les autres arrivent. Faut qu'on essaie de s'occuper. Tiens, bah je peux choper ces deux-là. Là. Ah. Ces deux cas-là, ça me paraît intéressant. Tu peux les avoir? Ah, attends, c'est parce que attends. Bah soit toi, soit moi, mais comme ça au moins il est eu. S'il décide de continuer d'avancer, c'est les 10 000 qui me. Ouais, tu pourras remonter. Ouais, après je remonte, ouais, t'inquiète. Allez, on fait ça. Ok, ça s'est géré. Ensuite, mouvement suivant. Les 12 000, ils ont décidé de partir sur la droite. Pourquoi pas? T'en as 10 000 sur ta descendent au Chartrain. Le problème, c'est qu'on aura le malus du fort. Est-ce qu'il y a un malus? Non, c'est des terres arables. Ah, mais non, mais je veux dire, quand on se bat, hein, qu'il y a un fort à eux, on n'a pas un... Putain, je me souviens plus du jeu. Non, quand t'as un malus... En fait, s'il y a un malus... et que l'ennemi devrait l'avoir, c'est automatiquement toi qui l'as. Enfin, c'est l'attaquant qui a le malus, même si c'est toi qui traverse une montagne, un truc de genre quoi. Mais c'est là, vu qu'il n'y a pas de malus, c'est des terres arables, on peut se le faire. On peut lui tomber dessus, hein, si tu veux. On peut carrément lui tomber dessus, ouais. Et après, on pourra tomber sur le Bessin. Exactement. Sachant qu'il y a encore 12 000 hommes qui arrivent en bas, mais on devrait pouvoir gagner la bataille avant qu'ils arrivent. Il sait plus où aller. Le moral, c'est pas dingue. Ah putain, il y a des renforts qui arrivent. Oh putain, ça arrive en bas aussi. Oh, mais notre morale. Ah, il est à chier, hein. Oh là là, comment on s'est fait dépouiller la tronche, à quel moment? Faut qu'on se replie là, je pense. Hein. Ouais. On peut pas se replier. Go. Si, on peut se replier. Ouais. Ouais, là, on s'est fait un peu enchaîner, ouais. Putain, puis l'Anjou qui est toujours à 35%, mais ça a pas avancé, quoi. Non, mais c'est dingue. C'est la déprime absolue, quoi. Bon, en contrepartie, il a pas pris Calais, et la bourre en bas, il a foiré son siège. Ouais. Mais bon. Mais c'est quand même la loose, hein. Du coup, le Haut-Poitou va refaire son fort tranquillement. Il va falloir qu'on récupère les 9000 troupes qui sont là. Tu te replies où, toi? Moi, je suis au Cotentin, et toi? Bah, je vais y aller aussi, hein. Ah, je vais me taper les... Peut-être ne pas hésiter à sortir tes bateaux pour qu'on traverse, mais... Pff, je vais demander... Je peux demander peut-être... C'est où déjà? Économie, accès, voilà. Un accès militaire à la Bretagne pour contourner, là. Éviter de me taper les 2000 du Maine, de ce qu'il va envoyer des renforts dessus, je suis sûr. Hop, allez, on se barre par ici. On remonte au Cotentin. Mais non, mais putain. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas par là. Ils peuvent pas nous poursuivre normalement. Tu vas par là. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est mes hommes qui se replient. Ils sont en train de se replier vers Calais. Et là, ils peuvent me poursuivre. D'ailleurs, je pense que je vais envoyer mon bateau là-bas pour embarquer. Ouais, vas-y. Hein. En cas où. Oh oui. Parce que là, je vois bien qu'il est en train de me poursuivre, ce connard. Ok, dès que j'y suis. Pause. On embarque. Comment on embarque? Attacher un navire de transport. Hop, et on va au Cotentin. C'est bon, ça, c'est pas mal. c'est une bonne il manœuvre. Il a fait demi-tour. De toute façon, on va se regrouper. Tant pis. Hein, là, on va être en mode guerre avant de, enfin, en mode bataille avant de faire les sièges du coup. Ah bah complètement. Marage royal de la part de la Bretagne. Bon, ça ira par contre. Faut pas non plus déconner. On est 30 000.
On a un moral de merde et on prend de l'attrition par contre, mais bon, on peut pas avoir de miracle. Hein. La France occupe le Maine. Je suis en train de regarder si on était passé par en bas. Ouais, non, de toute façon, il y a des forteresses. Ah, quoique, il n'y a pas de forteresse. Il y a une forteresse en Anjou. Ouais, il y a une forteresse, ça qui fait chier en fait. En fait, attaquer par ce côté-là est probablement tout pourrave. On va attendre un peu qu'il y ait des gens qui se barrent. On est 30 000, on va attendre que notre morale remonte. Putain, j'ai plus que 9 de réserve quoi. Bah, les problèmes vont bien finir par arriver. Hein. Avec l'attrition qu'on prend, j'imagine que lui niveau réserve. Ouais, encore. Attends, il a plus de réserve qu'au début de la guerre quoi. Ouais, putain, ça fait chier. Bon, après, on peut perdre cette guerre en proposant le Maine aussi. Hein. Je peux peut-être le proposer en. Si je lui dis. Mec, je te file le Maine. Attends, offrir le Maine. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Durée de la guerre, score de guerre, ils se sentent puissants, non? Ah ouais, ils se sentent trop puissants. Ouais. Pas étonnant. C'est pas grave. On n'est pas encore à poil. Non. Pour l'instant, avec toutes les troupes qui se sont barrées, on est plus nombreux, donc dès que notre morale est remontée, on peut lui tomber dessus. Oui. Statu quo, c'est très bien. Bon, il y en a 15 000 en haut, là-haut, mais bon. Ouais, le temps qu'elles arrivent, on est à combien de morale? On peut le voir, je crois. Plus précisément que juste la petite jauge, là. J'ai pas l'impression... Si, en haut à gauche. La jauge en haut à gauche. Ah oui, là. Enfin, on est à 2,50 pour maximum de 2,67. Ouais, c'est suffisant, je pense. 1,82 pour 2,62, mais j'ai 2000 hommes, alors bon... Ouais, on peut attendre un mois de plus, hein. On prend combien d'attrition? 1,2%. Bon. Sachant que j'ai plus de réserve, je pourrais de toute façon pas remplir, donc maintenant ce sera de la pure perte, les attritions. Bon, je propose qu'on attaque. Ouais, c'est pour ça. Vas-y. Allons-y gaiement. Si on arrive déjà à se débarrasser... Ah, il y a les 15 000 hommes qui se pointent. Ouais, on va voir. Oh, le... Putain, le malus de morale direct qu'on s'est encore pris, quoi. Ah ouais, c'est dingue, pourtant... Attends, mais on est... C'est où les stats, là, déjà? Registre. Militaire. Qualité des armées. Les rivaux. France. Ah, ils ont 2,80 de morale, c'est vrai que j'avais oublié la petite notion Space Marine français. Ah oui, c'est vrai ça. Ils ont 1% de professionnalisme, 16% de tradition, ouais non, ils sont beaucoup plus efficaces que nous. On a plus de discipline, enfin moi j'ai plus de discipline en tout cas. Mais par rapport au malus de morale, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et si les 15 000 envrives vont en haut là... Ah ouais, une défonce, à mon avis, quoi. Hein. Oh là là. Putain. C'est mort. On se replie. On envoie les bateaux. Si je peux. Ah non, je peux me replier avec toi aussi, du coup. Ouais. Moi, j'ai même pas perdu d'hommes en fait dans la bataille. Je sers tellement à rien. J'ai toujours le même nombre d'hommes. Ouais. Tiens, t'es en train de lui défoncer des bateaux au passage. Bah, il les aura pas volés ceux-là. Bah, ouais, parce que je voulais envoyer mes bateaux, mais pour aider, quoi, comme tout à l'heure, mais. Bon bah je propose un repli vers la Grande-Bretagne pour l'instant. Enfin quoique, tu me diras, on peut continuer de... Tu peux débarquer on peut débarquer à la borde, hein. Oui, c'est on chaud, peut débarquer, hein, mais... en bas, ouais. T'as raison. Tu peux rentrer dans mes bateaux? Je sais pas si je peux. Attends, je crois qu'il y a un truc. Permettre aux alliés d'embarquer. Hop. Mais après j'ai peut-être pas suffisamment de bateaux, ouais j'en ai que 18, ouais. Donc de toute façon... Je pense que t'as pas suffisamment de bateaux, ouais. Alors on va pire, je me ferai stack wipe, c'est pas très grave. Il veut bouger mon bateau ou pas? Il veut bien bouger mon bateau. On va débarquer directement en Angleterre, hein. Sur le fort. Ou direct, ouais, ou va là-bas. Ah avec... oh, putain, on a perdu le siège, quoi, 21%. Oh là là. Ah merde, putain. Ouais bah du coup je sais pas si c'est encore bien valable. Bah ouais, non. Du coup, c'est un peu de la merde même, j'ai envie de dire.
Ouais. Ouais. Puis autant avant, on pouvait ce genre sacrifier du professionnalisme ou des trucs du genre pour gagner des réserves, ah, mais oui, là c'est j'en vrai, ai ça. pas. J'en ai pas de toute façon. C'est vrai que j'ai oublié, j'aurais dû mettre mes armées à s'entraîner, quoi. J'ai complètement zappé ces mécaniques, quoi. Ah, moi aussi. Mais bon, moi tu me diras, j'ai pas eu le temps, mais oui, j'ai complètement zappé de t'en parler. Bon, ils ont 30 000 hommes. Après, techniquement, on peut leur laisser toutes les troupes terres, toutes les terres, hein. C'est un peu abusé, mais. Oui. Ouais, on va essayer. J'ai oh, putain, j'ai pas de diplomate. Non, toi tu restes là, toi tu reviens. Tu reviens, voilà, s'il te plaît. Du coup, alors attends, on va pas rester là, on va aller débarquer des troupes au Sussex. Ça sert à rien de reprendre des trucs. Tant qu'à faire, mieux vaut que ça lui appartienne. Claire. Ce qu'on va faire, c'est essayer de pas avoir à filer des. Putain, il est en train de venir. Non, ils sont en train de se barrer. On va essayer de pas avoir à filer des troupes de la des petits trucs de la Normandie, par contre. Si on peut éviter. Je pense que là, du coup, tu devrais pouvoir embarquer. J'ai pas d'option. Attends. Faudrait peut-être que je m'attache à toi. Attends. Vas-y. Est-ce que tu peux autoriser que je m'attache à ton armée? Yep. Oui, c'est vrai que vu que moi j'embarque, ça se trouve, oui, tu pourrais embarquer, mais que peut-être si je suis là. pas dedans. Attends, j'essaie d'aller au Ken Ouais, pour c'est voir. bon. Ah, c'est bon. Bon, au moins. Ah non, t'es toujours là. Ah, non. Attends, je reviens. Surtout que c'est marrant, je suis toujours marqué comme attaché. Hein. Alors, je me suis détaché. Et Interdire ce aux alliés truc-là. d'embarquer. Attends, non. Il n'y a aucun navire de Non. transport amical ou allié dans le port. Si j'ai. Attends, c'est pas clair le bouton là. Et si t'essayes maintenant? Pareil. Alors attends, Mais j'ai l'impression que ça a jamais fonctionné ce truc-là. Alors, essaye d'enlever la pause, voir si le bouton s'active. Ouais, pardon, attends. Non, il n'y a aucun navire de transport amical ou allié. Et là? Non, pareil. Bah, j'ai essayé d'activer et désactiver d'être attaché le à un navire de transport dans le port. Bah autorise non, les unités tu... alliées à monter à bord de la flotte de façon à ce que celle-ci puisse les transporter. Bah, pourtant, ça a l'air d'être ça, quoi. Ok, je vais remettre lecture vite fait. Non, j'ai pas l'icône, il est grisé en haut, qui permet d'embarquer dans le bateau, quoi. Ouais, j'ai l'impression bon. Que ça n'a jamais marché, ce truc. J'avoue. Alors, si je lui file ça, il est pas content. Si je file tout ça. On n'est pas loin. Si je file co... Non, ils sont, c'est pire. Si je file co, il veut que j'inclue Bessin. Ah, du coup, non. Bah ouais. Là, on est à 65 sur 67. Si je file un peu de thunes. Ça passerait. Si je file 93, bon, que j'ai pas, hein. Plus tous mes territoires, il accepte la paix. Oh, ça fait mal au cul quand même, hein. Ah bah ouais, hein. Oh là là, tout ça à cause de ces putains de sièges qui avancent pas, quoi. Ouais, c'est clair. Ça aurait pu changer les choses, un petit peu. Bon, en Mais même temps, comme on a zéro réserve, quelles sont nos options? On peut débarquer en Bretagne, vu qu'on a le terrain, et attaquer par le Bas-Poitou. Mais il commence à s'être sérieusement regroupé. Bah ouais, puis Bessin va finir par tomber au bout d'un moment. Oh oui. On peut essayer de reprendre la Bourre et le Bordelais, on va aller voir s'ils se barrent. Pour remonter ouais, un peu le score ça, de hein. guerre. Mais ça va être chaud. Hein. En plus, tu peux pas embarquer quoi. Ça fait chier aussi ça. Ouais, je vais aller me balader un peu, mais. Ouais, essayer de prendre des trucs que tu peux prendre avec 1000 de troupes là. Bah non, mais surtout je vois il y a 7000 hommes de l'Orléanais qui arrivent donc je pense que je vais pas faire long feu. Ouais, s'ils arrivent à te choper c'est clair. C'est toi qui es en pause. Hein. Ah pardon. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le D, point d'interrogation, point d'interrogation, là, c'est parce que oui. Le pseudo de Damned a une couronne dans son pseudo et que U4... Ouais, j'ai un emoji en fait et U4 n'arrive pas à le gérer donc... C'est et comme ça. J'ai la flemme de changer mon pseudo Steam, bon bah ça restera D dégueulasse, voilà. Et merde, je vais me faire choper là. Oh vas-y, je les attends, je m'en fous. Ouais, peur de rien. je devrais avoir peur, mais de toute façon c'est foutu, donc... Ah bah là, de toute façon, ouais...
Après, on peut avoir confiance que l'IA finira par faire une boulette, hein. Et puis bon, au bout d'un moment, l'espace marine français, il y a aussi les pas space marines de... Attention. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Allez, on débarque. On va essayer de reprendre ça assez vite pour avoir rapidement un port d'attache. Je vais changer de port avec mon bateau, hein, parce que... C'est pas comme si j'allais le perdre. Tu pourrais te demander le mouillage en Castille aussi, au cas où, pour repartir... Ouais, remarque. Pff. Bah, je me suis posé là, justement, pour le prendre assez rapidement, quoi. Bon, il y a 15 000 hommes qui se baladent, on sait pas où. Ceux qui t'ont tapé dessus. Arriver très vite. Et après, t'es mal, parce que pour rembarquer, c'est long. Ouais, mais l'idée, c'est que je prenne ce truc-là, justement, pour pouvoir embarquer vite, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais... Si j'ai le temps. Ça, c'est clair. Ça, c'est ça, le truc. Ah, il serait capable de rater un jet à 100%, le mec. Je me prépare à te mettre la pause dès que tu l'as pris pour que tu programmes ton bateau, t'inquiète pas. Ok, j'avais le bouton dessus, là j'avais la main dessus du coup. Non, mais c'est bon, hop, voilà. Tac, ça monte au port. Alors du coup, est-ce qu'on essaie de prendre ça? Ou plutôt l'Armagnac? Non, je peux pas passer parce qu'il a la forteresse. Putain, on peut passer nulle part, quoi. Oh, le seul endroit où je peux aller, c'est Saint-Onge, quoi. Pourtant, il n'y a pas de forteresse, là. Hein. Non, c'est juste que je suis coincé par... Oh là là, 64%, maintenant il faut le blocus, hein. Ouais. Attends. Oups. Je vais essayer de voir. Je peux pas claquer un petit peu de points pour prendre un général. Avec un peu de bol, il aura du siège. S'il prend le B5, non. Par contre, à mon avis, je suis sûr qu'il voudra pas le lâcher à la négoce. Hein. Ouais. Ouais. Ça pue du cacaboude. Parce que si tu essaies de négocier là, non, toujours pas mieux. Vu que t'as repris un territoire, hein, bon, j'y crois pas trop, hein, mais. J'offre. Alors, ça marcherait en me donnant 0 sous. Alors, attends. Si je remets à 0, effacé, voilà. Je lui file le Maine, je lui file l'Alençonnais, je lui file la Bourg, je lui file le Bordelais, je lui file juste tous les territoires, sans argent. Ça passe? Ça passe. Ça fait chier, mais en même temps, je sais pas si on a rien à faire, mais... Ouais, au moins on survit, quoi. Alors, est-ce que je pourrais, par exemple, filer Calais à la place? Non, il veut carrément pas. Moins 1000, ok. Ok, bon. Pff, alors, qu'est-ce que j'ai comme malus si je fais ça? Je lui cède tout. On fait monter des trucs, on s'en fout. Ça fait bouger des. Vu que je cède des trucs à ses vassaux, ça fait bouger des trucs au niveau des aspirations. Ça coûte 175 points diplo. Ça lui met 20 d'expansion agressive. Il gagne du prestige, on perd du prestige et on perd 31 en démonstration de force. Ouais, ça pique. Ouais, ça pique. De toute façon, c'est une guerre assez compliquée. Ouais. J'ai tellement de sièges, de galères, de forteresses partout. Ouais, c'est vraiment la plaie. Si on pouvait reprendre la bourre avant qu'il arrive à prendre Bessin, mais j'y crois pas, quoi. Ah, il s'est pris une épidémie, putain, tout arrive. Ça. Faudrait que tu fasses une brèche, tu tentes un assaut, quoi. Ça serait la catastrophe, mais au moins... Ah, y'a du monde qui descend, ça y est. Ah, ils arrivent. Je suis en train d'amener du renfort, mais... Je pense que mes bateaux vont arriver trop tard. Tant qu'ils restent au Bordelais, t'as le temps de débarquer dans l'autre, hein, mais... Alors du coup, attention, parce que quand je veux débarquer, là, je vais me prendre un assaut. Donc tu vas plutôt sinon, mettre là. Tu les mets à la bourre, ouais. Ouais, je les poser là. Ou tu les mets où tu demandes à la Castille, tu mets à Biscay et tu rejoins à pied la bourre. Non, bah je vais débarquer, ça coûte pas plus cher. Hein. Je sais pas. Oui, c'est vrai que l'autre ça te coûte de l'argent, c'est vrai, j'avais oublié. Toc. Ouais. Toc. Allez, on débarque. Allez, une petite brèche là. Oh putain. Oh là là, ils commencent à être nombreux, les petits cons. Bon, l'avantage c'est qu'on dirait que toutes les troupes françaises sont à Bessin.
C'est quoi? C'est la publication d'une bulle pontificale. Ah oui, t'as ça maintenant, oui, oui. Coût du développement, moins 5%, tolérance à l'alpaganisme, plus 2. Ah oui. Oui, t'as une petite truc, cool. Ouais. Je suis joie. Là, tout de suite... Je m'en branle un peu, mais je suis joie quand même. Ils sont 900 dans ce fort, 980. Mais si franchement, il y aurait une brèche, tu lances l'assaut direct, hein. Mais... Bah, ils ont réussi à faire une brèche la dernière fois, hein. Mais nous, que tu crois. Par contre, s'ils se cassent comme ça, je vais laisser un mec dessus et je vais tomber sur les 8000 hommes, là. Ça me donne bien envie. Ce qui est marrant, c'est que t'es arrivé à rattraper presque leur siège du B5, quoi. Ouais. Bon, celui de Calais en haut est en train de... Ouais, mais c'est parce que j'ai le blocus, hein, je pense. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, si... non, il y a les 9000 troupes de Provence qui ne se barrent pas. Donc du coup, elles attendent que je fasse de la merde, je suis sûr. Si la Provence se casse, je tombe sur les autres PO qui pillent. Un fade ! Mais oui, mais pourquoi pas ? Soulèvement de 7 régiments, mais bien sûr. Perte de 33 points de puissance diplomatique, on s'arrange, on les laisse s'arranger entre eux. 25 d'autres, c'est où, Hul ? F. Non, c'était pas F pour faire des recherches ? Oh ! Putain, quand on fait F maintenant, quand on a un event, ça cible directement sur Hul. C'est beau ! C'est toujours F, hein. Trouver F, ouais, c'est ça, tu fais F et pouf, ça te saute dessus. Bah, c'est une vraie amélioration pour le coup. Ça, ouais, c'est un vrai truc de gameplay plus plus. C'est quoi cette province? 7 de développement, autonomie locale, 0. Ouais, on s'en branle. Démerdez-vous, les gars. Vous avez pas l'impression qu'il y a un peu plus chiant à gérer là? La province, ça veut pas se casser, hein. C'est à 0 dans le B5. Ah, ils sont passés à 0. Oh là là, ouais, d'un coup comme ça là. Ouais, putain. Allez, une brèche. Ah oh. Toi aussi, t'es passé à 0, mais bon, toujours pas de brèche. Ah, il a une petite avance. Tu vas voir, il va réussir à prendre le siège avec 0%, ce con. C'est clair. 14%. Ouais, le suspense est insoutenable! Oh là 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 là. Putain. Faudrait qu'on coupe l'épisode, il est suffisamment long en plus, mais bon, on va essayer de voir au moins un petit peu. si on arrive à monter là. 14%. Ils ont excommunié la Provence! Et ben très bien, ça sera toujours ça de prix. Il va le prendre à bah, 14%, je suis sûr. 21%. Bon, on va arrêter l'épisode là. On va essayer de voir comment on peut gérer ça lors du prochain. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si je pense que ça sera déjà géré de toute façon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On est dans le mal, beaucoup plus que ce que j'avais prévu, mais c'est vrai qu'on... Entre le fait que j'ai pas entraîné mes troupes et les Space Marines français, j'avais franchement oublié ces mécaniques. Et c'est bien dommage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire si ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. A plus.